Ceci n'est pas une libellule, mais une demoiselle. Elle est plus petite, moins trapue et garde ses ailes repliées le long du dos. Pour observer les différences entre ces insectes aquatiques, 20 clichés sont exposés à la Maison de l'Environnement de Magny-les-Hameaux jusqu'au 31 mai. Une chance de pouvoir observer ces insectes, plutôt difficile à photographier. Ça dépend un peu du coup de chance. Il va y avoir des clichés qui vont être faits en 5 minutes parce que la libellule a bien voulu rester en place et d'autres qui vont mettre une demi-heure, trois quarts d'heure parce qu'elle n'arrête pas de bouger. S'il fait chaud, les insectes sont très vifs et on aura beaucoup plus de mal à ce qu'ils restent en place alors que quand il fait froid, ils sont un peu plus calmes. Armé d'un objectif macro, Fabien Viré a traqué ses modèles dans la réserve naturelle du Pinail dans la Vienne. 135 hectares, plus de 5000 mares, un cadre idéal qui concentre 48 espèces de libellules différentes sur les 90 existantes. C'est d'ailleurs au Pinail que Fabien Viré a commencé la photo en 2007. Et à côté de ces clichés, un atelier découverte est proposé aux enfants. Les libellules et demoiselles n'auront plus aucun secret pour eux.